Hey! Vous aimez Noël? Moi, oui! Ah, Noël! L'hiver, les fêtes, les cadeaux, la musique, les décorations! C'est vraiment la période de l'année que je préfère. À chaque fois qu'on est en décembre et que les fêtes approchent, j'ai l'impression d'avoir 8 ans dans ma tête. Un peu comme tous les autres mois de l'année, en fait. Oui, bon, tu dis ça parce que toi, t'as pas de calendrier de l'Avent comme moi. Oui, j'ai 27 ans et j'ai encore un calendrier de l'Avent. Et alors? Ça vous dérange? Non mais je sais que vous aussi vous en avez un. Faites pas semblant. Hein? Mais si vous en avez un, pas la peine de mentir. Avouez! Y a pas un truc en particulier que j'aime à propos de Noël, mais c'est plutôt toute l'ambiance qu'il y a dans l'air en cette période de l'année. Que ce soit dans les magasins ou dans la rue. Ça me donnerait presque envie d'être gentil avec tout le monde. Oh bonjour madame! Oh comme vous êtes élégante! Ce chapeau vous va ravir! Mes hommages madame! Là, 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 là. Oh mon petit, comme tu es mignon. Alors, tu as fait ta liste au Père Noël? C'est bien. Tiens, voilà un petit bonbon pour toi. À bientôt. Là, 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 là. Oh mon pauvre monsieur, ça ne doit pas être facile de passer les fêtes dehors comme ça, sous un pont. Tenez, prenez mon manteau. Mais si j'insiste, prenez mon manteau, il vous sera plus utile. Vous avez froid? Tenez, prenez mon pull aussi. Non mais j'en ai plein d'autres. Non mais il est bien chaud, vous verrez. Tenez, prenez mon pull. Oh, et puis tenez, prenez aussi mon boxeur. Mais si, il est tout neuf. Mais si, allez-y, prenez-le. Un petit peu froid maintenant. Bon, sans en arriver jusque-là, c'est vrai que c'est une période propice aux dons, à la générosité. Ah, mais c'est pour ça que le Téléthon est organisé en décembre. Mais oui. Sûrement. D'ailleurs, le numéro pour faire des dons est le 3637. On ne saurait trop le répéter. Par exemple, c'est le moment de l'année où on fait tous des cadeaux à nos proches. Sauf si on est radin. Alors quand ce sont des amis ou de la famille, ça va, on sait à peu près quoi leur offrir. Mais des fois, tu ne connais pas les goûts d'une personne. Alors tu te rabats sur une boîte de chocolat. Hey, joyeux Noël! Écoute, je savais pas quoi t'offrir, alors je t'ai pris cette boîte de Ferrero Rocher. C'est bon, c'est à la noisette. Ah bah merci! Tu m'as pris pour un ambassadeur ou quoi? En plus, tu sais bien que je suis allergique à la noisette. Et en plus, je fais du diabète. Ah merde! Pardon, mais je savais pas. Mais bon, merci quand même! Le pire, c'est quand tu reçois un cadeau extrêmement moche et que tu dois faire semblant d'être absolument ravi, comme si c'était la 7e merveille du monde. Oh, c'est pour moi? Ah, c'est joli, hein? Waouh! C'est original en tout cas, hein? C'est bien, hein? Mais t'aurais pas dû. Non, mais franchement, t'aurais pas dû, hein? Non, mais vraiment, vraiment, t'aurais pas dû. Mais où on va le mettre, hein? Dans l'entrée, dans le salon, dans ton cul? Hein? Sur le meuble à vaisselle? Oh, oui, bah bonne idée, hein? Comme ça, il va nous regarder comme ça. Bah, allez, on va le mettre, hein? Ah, ce que j'aime aussi pendant les fêtes, c'est toute la bonne nourriture dont on va s'empiffrer avant, pendant et surtout après Noël. Les fameux restes qui peuvent durer 2, 3, voire 4 jours avant d'être terminés. Ce qui peut parfois provoquer des situations plutôt incongrues. Oui, j'ai dit incongrues, mais en un seul mot. Encore du saumon! Oh non! Mais pitié, plus de champagne, non! Et puis éloignez-moi ce caviar, j'en peux plus du caviar! Mais où sont mes raviolis? Où sont mes raviolis? Et les décorations? Ah! Les décorations! Mais que serait Noël sans les illuminations dans les rues ou dans les vitrines des magasins ou même sans les objets de la vie de tous les jours vendus en édition limitée le double du prix sous prétexte qu'ils sont édités aux couleurs de Noël? Bon, par contre, ne comptez pas sur moi si vous voulez un beau sapin. Roi des forêts, que j'aime ta parure. Autant j'adore habiller un sapin de guirlandes et de grosses boules. Grosse boule, grosse boule, oh! Autant je suis mauvais pour faire un ensemble joli, léger et harmonieux. Mon problème, c'est que j'ai envie de tout mettre sur les branches. Et du coup, on voit plus le sapin. Mais il est où le sapin? Ben je sais pas. Sapin! Sapin! Non, pas toi, Michel. Et vous? Vous aimez Noël? Racontez-moi tout ça dans les commentaires! On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo! D'ici là, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes! N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner! Bye! Et un petit message particulier pour Noël, parce que c'est le premier que je passe avec vous, avec ma chaîne, et que votre soutien est le plus beau des cadeaux de Noël. Alors merci encore mille fois, et passez encore de très 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 belles fêtes. Bye bye!
Coucou, c'est moi. Et bien maintenant, je suis là pour t'expliquer quoi faire après la vidéo. Si tu veux voir une autre vidéo, clique sur le lien. Si tu veux t'abonner, clique sur s'abonner. Si tu l'es déjà, je t'aime déjà. Et puis, si tu veux me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Instagram, va sur les réseaux sociaux et tape Délire de Mac, tu me trouveras. Voilà, j'attends. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas cliquer. Clique, allez, clique, stop le, c'est gentil. Clique, vite. Bon, je vais devoir arrêter. Allez, je t'aime quand même.